Samer Bet Amud Alef, à la quatrième ligne. On est toujours dans Tnaï Kafoul, Shitat Rabbi Meir. Un Tnaï qui n'a pas été doublé, c'est pas un bon Tnaï. D'après Rabbi Chanan Gamliel, l'autre Tzarich Tnaï Kafoul. Donc je rappelle qu'on est posé que la Halakha, comme Rabbi Meir, Tzarich Tnaï Kafoul. Et le Rama, il dit que celui qui a dit Ani Ose Tnaï Ke Benegad Ubne Oven, ça suffit. Bish la Malé Rabbi Chanina Ben Gamliel, ça bien d'après Rabbi Chanan Gamliel, il y a une directive dans Parashat Sota. Imlo Shachav Ish Otar, Vimlo Satit. S'il n'y a personne qui a et qui est allé avec toi, comme ça il dit le Kohen à cette femme, dans la Sota, Vimlo Satit, Touma Tachatisher, si tu n'as pas engendré de Touma en dehors de ton mari, Inaki, tu seras lavé de la Shvoa. Mais on n'a pas marqué, et si tu as fait la Avera, alors tu vas exploser. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Donc d'après Rabbi Chanan Gamliel, Michlala Vanishomehel, alors c'est vrai que dans la première Shvoa, il y a marqué si elle a fait la vera ou si elle n'a pas fait la vera. Mais c'est dans la Shvoa, pas dans la Klala. Il y a Shvoa Sheshba Ala, Klala, et une Shvoa Stam. Il y a deux parties dans la Parashat Sota. Là, ici, on parle de Shvoa Sheshba Ala. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué que si elle n'a rien fait, Inaki. Et là, les Rabbi Meir, Chinaki Mibaele. D'après Rabbi Meir, on aurait dû écrire Chinaki, tu vas t'étouffer. Amarabitanchum Inaki Ktim. Inachinami. C'est comme si il y avait marqué Chinaki. Inaki, c'est marqué sans le Yud. Sans le Yud. Pourquoi on t'écrit sans le Yud? Pour te dire que Bémet, si tu le fais pas, Chinaki. Bishlama, alors maintenant, à four, la chaîne est inverse. D'après Rabbi Meir, je comprends pourquoi il est marqué sans le Yud, mais d'après Rabbi Chanan Gamliel, il faut expliquer pourquoi il n'y a pas de Yud. Bishlama, le Rabbi Meir, il nous dit Tivinaki sans Yud. Et là, Rabbi Chanan Gamliel, la Mali, Itztarir. Oui, j'ai besoin de dire sans le Yud. Pourquoi? Sakatachamina, si j'avais marqué avec Yud, j'aurais pu croire. Imloshachav, Ish, Inaki. S'il y a personne qui est avec elle, elle sera lavée. Imshachav, lo inaki velo chinaki. Ni elle sera lavée, mais ni elle sera étranglée. Et là, Isurim Be'alma, elle va avoir des souffrances. Mais c'est marqué où qu'elle va mourir? C'est pour ça qu'on l'a marqué sans le Yud. Chinaki, Kamash Malal. Bish la malé Rabbi Meir nous dirtiv, ou itrat tabo. Il y a marqué dans la paracha de Mechatat. Arrête, quand on fait brûler la para Adouma, on amène de l'eau d'une source, on mélange les deux. Et quelqu'un qui est tamé Toumat Met, alors on va faire l'aspersion. On va l'asperger. Le Yom HaShlishi ou bah Yom HaShevi. On a marqué les deux tzadim dans la Torah. Ou itra tabo bah Yom HaShlishi ou bah Yom HaShevi ita. Et le septième jour il sera tahor après être allé au mikveh. Vim lo itra tabo. Pourquoi tu as besoin de m'expliquer? Tu me dis, vim itra. Si il fait Yom HaShlishi, Yom HaShevi, il sera tahor. Si il fait pas, il sera pas tahor. Ah, ça va bien d'après Rabbi Meir. Tu m'as expliqué les deux tzadim. D'après Rabbi Chanina ben Gamliel, tu n'as pas besoin des deux. Et là, les Rabbi Chanina ben Gamliel, la Mali. Pourquoi tu as besoin de m'expliquer les deux tzadim? Itztarir. J'ai besoin de te dire les deux. Pourquoi? Sal kalata chamina, j'aurais pu croire. Mitzvah taza bashlishi o bashvi. Soit le 3, soit le 7. Vechad avad bechad minayu avad. S'il a fait un des deux, ça suffit. Pourquoi tu lui dis o? C'est o bashvi. Tu as raison. Mais si j'avais marqué, il fera la haza bayom ashlishi ou bayom ashvi veitar. J'aurais pu dire, ok, soit le 3, soit le 7. Bien marqué, il faut les deux. C'est la double la double formulation de la Torah qui dit Vim lo tratabo bayom ashlishu bayom ashvi lo itar. Machma que si tu n'as pas fait, alors même si tu as fait un de deux, ça ne marchera pas. Kamashmalan, qu'il faut les deux. Maintenant la Torah continue et nous dit Viza taor alatame bayom ashlishu bayom ashvi. Encore une fois, tu répètes. Ça y est, on a compris. Pourquoi tu as besoin de répéter Viza taor alatame bayom ashlishu bayom ashvi? La Mali. J'aurais pu croire, Bayom HaSheni vient nous dire, Bayom HaSheni, oui, Bayom HaSheni, ça ne marche pas. Si tu as fait la Haza le deuxième jour, ça ne marche pas. D'accord ? Shvi, le Miyute Shishi, pareil. Si tu as fait le sixième au lieu du septième, ça ne marche pas. Pourquoi ? Des Kamemet, Bimetara. Alors, la Torah t'a demandé qu'il y ait sept jours. Toi, tu n'en as fait que six finalement. Au lieu de faire le 3 et le 7, tu as fait le 2 et le 6. Non, ça ne peut pas marcher un truc pareil. C'est comme une femme qui, au lieu de faire Shevanikim, elle en fait Shisha. Ça marche pas. Aval, j'aurais pu croire. Et Rad Avad Bashlishi ou Bashmini, des Kamafish Bimetara. La Bémet, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire le 3 et le 7, et le 7 au soir, il est Tahor, j'ai fait le 3 et le 8. Donc, si ça marche le 7, ça peut marcher le 8 aussi. Imash à Pirdame. J'aurais pu croire que ce qui marche le 7 marche le 8. Kamashman, que non. Il faut seulement 4 jours entre les deux. S'il y a plus de 4 jours, il y a 5 jours. C'est pour ça qu'on a répété. Veiza taor alatame bayom ashlishu bayom ashvi. Mais inachinavi. Si Bémet il a fait bayom arevi ou bayom ashmini, alors là il y a 4 jours entre les deux.
ça marche. Maintenant, encore une fois, on répète, Vichito Bayom Hachevi, et il sera aspergé Bayom Hachevi. Pourquoi tu répètes encore une fois? La Mali, il s'arrête ça qu'à Tachamina n'aurait pu croire. Anemile les Kochim, tout ce qu'on a besoin de Paradouma et de la Haza, du jour 3 et du jour 7, c'est pour pouvoir manger des corbanotes. Avant les Trouma, peut-être que pour manger la Trouma, un Kohen qui est tamé ne peut pas manger la Trouma. Il faut qu'il soit tahor. Mais j'aurais pu croire, pas besoin de faire Bayom Hachlichi ou Bayom Hachevi. Soit Bayom Hachlichi, soit Bayom Hachevi. Itzarir, donc la Gemara dit, Ava les Trouma, Bechad Ami Sagia, Kamash Malad, que Ben les Trouma, Ben les Kochim, Bayom Hachlichi ou Bayom Hachevi. C'est pour ça que la Torah elle a répété plusieurs fois. La première fois qu'on te le répète, c'est pour te dire attention, un des deux ne suffit pas. La deuxième fois qu'on te le répète, c'est pour te dire attention, il faut seulement 4 jours entre les deux, pas plus. Si tu as fait Bayom Hachlichi ou Bayom Hachemini, ça marche pas. La troisième fois qu'on te le répète, c'est pour te dire attention, c'est pas seulement pour Kochim, mais même pour Trouma, il faut Bayom Hachlichi ou Bayom Hachevi. Si tu n'as pas fait les deux, tu peux pas manger la Trouma. Mishnah. Amekadesh et Aisha Vamar, quelqu'un il se marie avec une femme, et deux jours plus tard, il dit mais je crois qu'elle était Kohenet. Vamar, qu'à savoir, était chez Kohenet. Moi, j'ai entendu qu'elle s'appelait, je sais pas moi, les noms Ashkenaz. Katz. Moi, pour moi, Katz, c'est Kohen. J'étais sûr qu'elle était Kohenet. Et bah, sauf, elle s'appelle Katz parce qu'elle avait des chats. Rien à voir. Varie Lévia. Lévia, varie Kohenet. Ania, varie Ashira. Ashira, varie Ania. A raison, mes coups d'échelle, mes pénés, chez l'Oitato. C'est pas elle qui l'a trompé, tu t'es trompé tout seul. Je suis vraiment désolé que tu aies cru que je sois Kohen. Mais bon, moi, je t'ai rien dit. Je t'ai pas induit en erreur. Si je t'avais dit que je suis Kohenet et que finalement c'est faux, tu as raison, on aurait pu faire sauter les Kiddushin. C'est pas le cas. Les Kiddushin sont khal, même si toi, ce que tu pensais, Dvarim Shebalev et Nanvarim. Je m'en fous de ce que tu penses. Omer, l'Isha, Ariad, mes coups d'échelle, Lila, Achar, chez Gaïa. On avait vu ça. On avait vu ça que ça marche pas. Si elle a dit. Ouais, là elle a trompé. Mais là dans la Mishnah, elle a rien dit. Omer l'Isha, Ariad, me coudéchet, li, la char, chet, gaïer. Un homme dit à une femme, je te marie, donc lui il est goy pour l'instant, je me marie avec toi, voilà Kiddushin, quand je serai guerre. La char, chet, gaïer. Ou la char, chet, gaïeri. Ou après que tu te sois toi converti, c'est elle la goya. La char, chet, chet, ou la char, chet, chet, soit après que je, si je l'ai évède, après que je sois libéré, ou après que tu sois libéré. La char, chamoud, balère. Quand ton mari mourra, c'est sympa pour le mari. Ouais, le type, il donne des kiddushin à une femme, il dit, tu sais quoi, dès que ton mari meurt, on se marie. Il est content, le mari. Olachar, shtamuta choter, quand ta mère, ta soeur, elle va mourir. Alors, tant qu'il est marié avec sa soeur, il ne peut pas se marier avec elle. Nachon, et shetar, achotishto. Mais il dit, tu sais quoi, dès que ta soeur, elle meurt, on se marie. Non, mais pourquoi tu ne te maries pas avec elle maintenant? S'il n'est pas marié avec sa soeur, on n'a pas besoin... Tout le problème, c'est le mari qui empêche le mariage. C'est la sœur qui empêche le mariage. Léachar sheachlotz lech lievimer. Après que ton yabam y fasse, chalitza et namikou deshet. Ça marche pas. Pourquoi c'est dvarim shelo ba laolam? Od lo higia laolam. A matzavaze lo higia. Donc même s'il a dit après que qu'il fasse chalitza, après que ton mari meurt, ça marche pas, namikou deshet. Vechen haomer lechavero, un type il dit à son copain, imial da ishtecha nekeva, ta femme elle a une fille, a raison mikou deshet li. Tu peux marier ta fille. Donc elle n'est pas encore là, ta fille. Mais dès que tu auras une fille, elle est mariée avec moi. Ok? Et dans mes coups d'échette. Dvarim chez le Bala Olam. D'abord chez le Bala Olam, ça ne marche pas. On lit la parenthèse. Le Rambam, il possède comme la parenthèse, donc on la lit. De qui parle la fille? Quand ta femme la couchera. Non, la fille. Imaïta échette Chavero Meuberet. Maintenant, si la femme, elle est enceinte. Il va voir le type, il dit ta femme, elle est enceinte, Mazal Tov. Tu sais quoi? Si c'est une fille, je suis marié avec elle. Elle est mibouée. Elle a Veukar Ubara. Et le Vlad, c'est-à-dire on voit qu'elle est enceinte, c'est-à-dire plus de trois. C'est Davash Kayam. Chazak. Dvarav Kayamin, ça marche. Veim Yaldan et Keva, Mekoudeshet. Et si Bémet, elle a une fille, elle est Mekoudeshet. Gemara, Tananatam. Alors on va parler de la Sugya de Davash Shelo Bala Olam, ça marche pas. On va voir. Machloket Tanaïm. Ici, on va d'après les Tanaïm, ça marche. Tananatam. En Tormin Minat Talush, Amechoubar. Allez, pour faire Trouma, il faut que ça soit des fruits qui sont déjà tombés de l'arbre. Donc, tu les as cueillis. Il faut que ça soit talouche. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Deganecha, Minagoren. Non, pourquoi il y a marqué Mechila? Pas Deganecha, aucun rapport. Il y a marqué Réchid Deganecha. Non, c'est ça. Marqué Réchid Deganecha, le Trouma. Deganecha, de là on apprend que c'est Madavar des Midgan, qu'on a fait un Goren. Chez Nessa Bekri. Pour faire un tas de fruits, il faut que les fruits aient été cueillis. S'ils ne sont pas cueillis, il n'y a pas de tas. Il est dans l'arbre. Donc pour faire la Trouma, il faut qu'il soit talouche.
Maintenant, est-ce que je peux faire la trouma mina talouche, la mechoubar ou mina choubar la talouche? Je ne peux pas. Parce qu'il y en a un qui est chayav et l'autre qui est patour. En tormin, donc je prends la gmara. Tanatam. En tormin mina talouche à la mechoubar. Tu ne peux pas faire trouma mina talouche sur quelque chose qui est mechoubar. Vin taram, si tu l'as fait, sache que ça ne marche pas. En trouma tout trouma. La trouma, elle est pachal. Baimine, ravasi, mira biochanan. Amar perot arugazo tlouchim. Yu trouma al perot arugazo mechoubarim. Tu as dit, ces fruits-là qui sont déjà cueillis seront la trouma pour ceux fruits-là qui ne sont pas encore cueillis, quand ils seront cueillis. Là, tu as précisé. Dans le premier cas, on a dit que ça ne marche pas parce que tu as voulu que ça soit maintenant la trouma. Tu n'as pas dit quand ils seront cueillis. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Quand tu n'as pas précisé quand ils seront cueillis, ça ne marche pas. Mais quand tu as dit quand ils seront cueillis, peut-être que là, ça marche. Comme quand il dit quand ta femme, elle accouchera. C'est la même chose. Donc, perot, arugazo, ils seront plushim, iou perotrouma, perot, arugazo, mechoubarim. Perot arugazo mechoubarim, yutrumal perot arugazo tlushim. Lekcheit lachou, quand ils seront cueillis, vinit lachou et tu les as cueillis, maou. Amarle, kol shebeyado la kemechoussar maase damé. Tout ce que tu peux faire maintenant, alors ça ne s'appelle pas mechoussar maase. Alors je peux les cueillir maintenant? Oui, je peux les cueillir. Donc ça s'appelle pas mechoussar maase. Donc ça, c'est pas d'avant. Chazak, c'est pas d'avant. Non, c'est encore plus. C'est encore plus que la femme enceinte. La femme enceinte, elle peut pas accoucher maintenant. Et même si elle était enceinte de 9 mois, tu lui dis, vas-y, accouche, elle peut. Je suis désolé. Ouais. Tu prends. Même, ouais, alors peut-être qu'aujourd'hui, le fait qu'on lui fasse un zirouz, ça peut marcher. Mais à l'époque, c'est sûr que c'était pas biado. Là, ici, tu vas, tu cueilles le fruit, ça marche. Donc c'est pour ça que Bémet, même si tu penses que d'avoir chez le Bala Olam, ça marche pas, ici, c'est d'avoir chez Beyado. C'est pas d'avoir chez le Bala Olam. Kolma chez Beyado, zelo mechoussar maase. Et t'y vais. Alors, dans Nogmara, qui s'y a marqué. Marqué qu'un homme qui donne des kiddushin à une femme quand il est goy, il lui dit, toi tu es juive, ok on se marie quand je serai juif. Quand je serai guerre, bah, il peut se convertir. C'est Beyado. Bah, pourquoi elle est pas mes coups d'échette? Tu vas, tu te convertis, c'est fini. Et t'y vais. Omer les Isha. Un goy ne peut pas faire ce maasé en tant que goy. Canivet. Oui, mais il peut se convertir. Ok, donc il a pas ce. Il n'est pas. Bah, ce que tu dis, c'est comme ça, c'est marqué dans certains rishonim. C'est marqué au quai de rishonim. On va voir. On va voir, tu vas voir. Et tu vas. A Omer li char et ad mekoudé chet li le achar chez et gayer. Un homme, il dit à une femme, tu mekoudé chet à moi après ma conversion. Le achar chez et gayeri, ou après ta conversion. Le achar chez tacher, le achar chez tichtacheri. Après que je sois délivré, ou après que tu sois délivré, quand c'est des avadim. Le achar chez amoud baalech, le achar chez tamour tachoter. Après que ton mari meurt, après que ta soeur elle meurt. Le achar chez achlout le chémé mère, après que ton. Yabam, il fasse Khalitza, parce qu'on est ici d'après Rebi que N, qui du Shintofsin, Beye, Babanachouk. Ena, Meku, Deshet. La Gemara du Bish, la Makoulou, la Beyado. Je comprends, quand c'est la Khalitza, quand c'est la sœur qui doit mourir, quand c'est ton mari qui doit mourir. Ahmed, c'est que ça aussi, c'est Beyado. Hein, s'il veut, il lui met une balle à la tête, Beyado, la Rogoto. Bon, la Gemara, elle ne parle pas de ça. A tout Beshuftani, Askinan, on ne parle pas de Rechaim. Bien qu'il fait des Kidushin un peu Pesus. Mais néanmoins, la Gemara dit, c'est non Beyado. Et la guerre, se convertir, avec Beyado. Vas-y, convertis-toi. C'est facile. La guerre, ma amie, lave Beyado, la Gemara dit. Non, tu ne peux pas te convertir facilement. Damar a pris à Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Guerre, tsarir shlosha. Il faut 3 dayanim pour faire Gerout. Maïtama, Mishpat Ktivbe. Il y a marqué Mishpat Echad, il y a la guerre, etc. Donc on voit qu'un guerre, c'est un Mishpat Kedin, comme quand le Bedin il est Yoshev. Un Bedin et Yoshev a 3 dayanim, donc ici aussi il faut 3 dayanim. Maintenant, qui a dit qu'on va trouver 3 dayanim pour faire Gerout et qu'ils vont accepter de ça? Il veut vraiment se marier, c'est ça. Faire ce qu'il veut, il va. C'est Beyado, t'as dit. Alors toi, tu dis que Béhémet, tu as raison. Le Ritva, il dit qu'on aurait pu répondre que le Goy, il n'est pas Bar Kiddushin. Comme ça, il dit le Ritva. Ou la Goya. Tu as raison. Et plus encore, c'est qu'on va voir avec la chifra que la Gemara dit quand tu as donné à une chifra avant qu'elle soit délivrée, la Gemara va dire que tu as donné des kiddushin à une BMA. Donc ça sert à rien. Dans le Ritva, il dit on aurait pu dire la même chose dans le Goy, mais on a voulu répondre les Fiyah Emet, que Bemet c'est l'Obeyado. Mais on aurait pu répondre aussi Stirutz. Le Rajba il n'est pas d'accord avec le Ritva. Il dit, le Rajba il dit il y a une grande différence entre un Eved et un Goy. C'est que le Goy ou Ben Adam. Aval goy et non irshav ke behema et la ke adam, shen kidushin tof simbo. Ze ben adam, mais comme une ktana, en kidushin tof simbo.
Si Bémet le Guillou il était Béado, il aurait pu prendre les Kiddushin avant. Parce qu'il est Ben ou Ben Adam. C'est pas comme une Chifra qui devient Batrorine après sa, être délivrée, que là, Zetsura Khadasha. On continue. Donc, Miemar, la Gemara dit, Miemar de Mizda Kekoulé, Anet Lata, qui nous dit que Bémet il va réussir à trouver trois Dayanim, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que Zélon Ikra Béado. Mat Kifla Rabi Abba Barbamal. Et la Meata, Anotem Pruta le Chifrato. Alors c'est ta Chifra à toi. Si tu veux la délivrer, qu'est-ce que tu fais? Tu la délivres. C'est Beatra. Donc tu donnes une prouta à ta chifra, Vamar, Aran, Mekoudéchet, Li, Achar, Shecharerech. Après que je te délivre, tu n'es jamais Koudéchet. Ça devrait marcher puisque c'est Beyado. Achanami, David Koudouchine. La Gemara dit non. Achi, Ashtata, Meikara, Bema, Ashtata, Tacheret. Une femme qui est chifra, c'est comme une Bema. Donc c'est pas possible. Quand tu l'as délivré, Arshav Yeshla Da Tacheret. Avant, c'était Shvupo Ima Chamor. Am Adomela Chamor. Et Vet Kenani, il est comme un Chamor. C'est une Behema. Donc, c'est ce qu'il dit le Ritva dans le Goy. Mais c'est Zelo Shayach. Et donc, Atam, Ikara Behema, Ashta Da Tacheret. C'est pour ça que tu ne peux pas faire des Kiddushin avec une Chifra, même si c'est la tienne et que Beatra est Shacher Ota. Vela Adama Rabi Oshaya. Anoten Pruta Lishto. Tu vas voir ta femme. Chacun ce soir, il rentre chez sa femme. Il lui dit, tu sais quoi, je te donne une pièce maintenant. Et tu mets coup d'échette quand je t'aurai divorcé. Arrête, je peux la divorcer? Beyado les Garcha, Bal Kocha, je donne un guet, elle est divorcée. Mais j'ai donc Beyado les Garcha, et maintenant je te donne maintenant des Kiddushin après que je t'ai divorcé. D'après toi, ça devrait marcher, puisque Beyado les Garcha. Amarla, Ariad, mes coup d'échette, li, la Harche et Garcher, et na mes coup d'échette. Achanami, le Rabbi Yochanan, d'avou Kiddushin. D'après Rabbi Yochanan, Beyado, ça devrait être des bonnes Kiddushin. Comment se fait que Rabbi Shaya, il dit que non? Nei, la Gemara dit, Nei de Beado le Garcha, Beado le Kacha. Alors c'est vrai que tu peux divorcer de ta femme. Mais tu sais que, est-ce que tu sais si ta femme, elle va dire oui après les Girouchi? Aujourd'hui, elle est mariée. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle voudrait se remarier avec toi? Ah, ça, c'est pas sûr. Tip shot, la Gemara dit, donc c'est pour ça que Bémet, ça marche pas. Tip shot, alors si c'est comme ça, on peut être pochette une autre Baya, une autre, d'un autre Rav Hoshaya. Tip shot des Baya Rav Hoshaya, c'est un autre Rav Hoshaya, Anoten, Shte Prutot, Leisha. Tu donnes deux pièces à ta femme. Et tu lui dis une pour maintenant et une quand on divorcera. C'est une route de secours. Je te donne une pièce maintenant, une quand tu divorces. Quand on divorce. Anoten shte prutot leisha. Be'achat amarla et kachili ayom. Une pièce, c'est pour aujourd'hui. Ou be'achat amarla et kachili le'achar she'egarshir. Et l'autre pièce, c'est pour après les girushin. Tip shot mina de la vokudushin. Arrête, tu viens de me dire que là, ça marche pas. Quand tu donnes à ta femme, eh ben ça marche pas aussi quand tu donnes à une femme pour te marier. Mais là, elle l'accepte là maintenant. Oh, chazak ou baor. Dilma kichid et tafse kidushin ashta, tafse nami l'achar miken. L'achar ken. Si Bémet c'est tofes maintenant, elle est d'accord, alors on se dit, alors elle sera d'accord aussi après les girushin. Parce qu'en fait, c'est le même accord. Mais une femme qui est déjà mariée, elle donne pas son accord maintenant. Elle te dit pas oui. Elle reçoit la pièce, mais son accord, il veut rien dire. Parce que Arshav, l'homme kabelet kidushin si elle est déjà mariée. Donc c'est pour ça que si elle n'est pas encore mariée, on te dira migo de Arshav Khal, alors c'est Bémet peut-être Khal après. Zehashela shel Rav Hoshaya. Mais quand c'est ta femme, tu ne peux pas lui donner kidushin après le divorce. Tanya Kavati de Rabbi Yochanan. J'ai une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan que kol beyado la sot lo mechusar maase. En tormin mina talush ala mechubar. On ne peut pas faire trouma de talush, quelque chose qui est déjà tombé de l'arbre, ala mechubar, quelque chose qui est encore en terre. Si tu l'as fait, ça ne marche pas. Parce que ce qui est talouche, c'est chayav, ce qui est mechoubar, c'est pas tout. Ketsad, amar perot arugazo tlouchin, yu truma al perot arugazo mechoubarin. Perot arugazo mechoubarin, yu truma al perot arugazo tlouchin. Lo amar kloum, ça ne marche pas. Tu dis les fruits qui sont dans ce tas, qui sont déjà cueillis, seront truma sur les fruits qui sont encore mechoubar la carcasse, ça ne marche pas. Aval, amar lekshit les choux. Maintenant, s'il précise, il dit quand ils seront cueillis. Vénit les choux, et ils ont été cueillis. Darav Kaimi. Bémet, si tu as précisé, ça marche. Parce que Beyado, l'itloche. Yéter Alken Amarabi, Ezer Ben Yaakov. Et là, ça commence à se compliquer. Rabbi Ezer Ben Yaakov, il vient et il met une bombe atomique. Afilo Amar Perot Arugazo Tlushin, Yu Trumal Perot Arugazo Mechuberet. Perot Arugazo Mechuberet, Yu Trumal Perot Arugazo Tlushin. Lekshiavi ou Shlish. C'est-à-dire que là, il y a des petits raisins. Odlui Giou les Shlish. Ils sont un dixième de Gidoul. Ils sont tout petits. Alors là, tu peux pas venir Beyado. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a des pommes
qui sont sur l'arbre, il y a des pommes qui sont dans le panier, tu dis les pommes qui sont dans le panier, c'est trop mal sur les pommes qui sont sur l'arbre. Parce que immédiatement, je prends la pomme, c'est bon. C'est, je la mange. Elle est mûre, la pomme. Là, Rabbi Zer ben Yaakov, il te dit, tu sais quoi ? Même s'ils ne sont pas encore arrivés à Shlish, et il faut savoir que Kol Peri, Shilo Igyal et Shlish, Od lo chayav, lo nikra pri, lo chayav betrouma, lo chayav betroum. Azulo, od lo igyal et chiyuvo. Et toi, tu dis, tu sais quoi ? Quand il sera arrivé à un Shlish, ça sera la trouma. Ça marche ! Les kshiav yu shlish, vite les choux, et ils seront cueillis. Vive yu shlish, et même s'ils sont arrivés à un tiers. Vénis les choux, ils ont été cueillis, dvarav kamin. Chidush atsum de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que même si Behemet, ils sont pas arrivés à maturation, mais même pas à maturation complète, même pas arrivés à maturation pour être aveu trouma, c'est-à-dire un tiers, tu peux faire trouma en disant quand ils seront à un tiers et quand ils seront tlushim, ça marche. Amar Rabba, Rabba il vient, il dit attention. Attention, il nuance. Amar Rabba, lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov et là, Bechachat. C'est quoi Chachat? C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à un tiers, par exemple, du grain de blé. Mais néanmoins, il y a déjà de la paille. Et la paille, c'est que varoui le machal bema. C'est-à-dire que je n'ai pas encore le fruit, je n'ai pas encore un tiers de l'épi de blé, mais néanmoins, j'ai la paille. Il y a déjà quelque chose. Aval beagam, mais s'il n'y a rien, il n'y a ni la paille, ni le blé, alors là, non. L'eau. Même Rabbi Eliezer ben Yaakov, il sera d'accord que ça ne marche pas. Comme ça, il dira pas. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit non, à filou beagam. Rav Yosef dit, tu sais quoi, il y a un petit brin qui est sorti. On va voir c'est quoi agam. Agam, ça veut dire qu'on peut le tordre. Même s'il y a un tout petit grain qui est sorti et que va dailo et via shlish, mais j'ai même pas de quoi pour donner manger à manger à mon cheval, ça marche. Maïmashma, la Gemara dit, d'où est-ce que tu sais que des agam lishina des butzlenau, d'où est-ce que tu sais que agam lishina des butzlena, que c'est ça vient de germer. Amar Abilezer de Amarkra à la kouf ke agmon rocho. Est-ce que Hachem, il veut qu'on on baisse la tête? Il veut qu'on fasse une tshuva me'ava. Ouais, c'est ça, c'est le inyan là-bas dans le pasouk de Ishaya. Mais qu'est-ce qu'on voit que Agmon, c'est quoi Agmon? C'est un hameçon. L'hameçon, il est comme ça. À la kouf k'agmon rocho. Est-ce que Stam, il veut qu'on baisse la tête? Donc on voit que k'agam, c'est juste. C'est-à-dire qu'il y a assez de plantes qui est sorti pour pouvoir le baisser. Mais il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, ni pour l'homme, ni pour le cheval. Et malgré ça, quand il y aura Shlish et quand on sera Tolesh, ce sera Trouma. Kima Nazla, la Gemara dit, comme qui elle va la Mishnah à Detania, à Omer le Chavero, im yalda ishtecha nekeva mekudeshet li. Si ta femme elle a une fille, c'est bizarre hein, de dire si ta femme elle a une fille. Pourquoi on ne dit pas si toi tu as une fille? La nienne. Mais c'est si ta femme elle a une fille, et c'est pas ma fille. Im yalda ishtecha. Lo amar klum, ça ne marche pas. Va Mar Rabbi Chanina, donc. Dans notre Mishnah, on l'a pas mis, mais c'est Rabbi Chanina et le Rambam, il est posé comme ça. Lo shanu le hasheni shtomi uberet, ça c'est quand il a dit quand sa femme elle est pas enceinte. Aval shtomi uberet, si bébête elle était enceinte, varav kamin. Kiman, arrive ici, si c'est quand elle est mis uberet, ça marche, ben ça dépend. D'après Rabba, il faut qu'elle soit mis uberet, mais qu'il y ait déjà ukarubara, comme on a vu dans la Mishnah, au moins de 3 mois. De la même manière que dans le blé, il nécessite que ça soit au moins machal behema. Si c'est comme Rabba, qu'il faut que ça soit au moins Mouachal Bema, donc il faut qu'il y ait quelque chose, un début de quelque chose. Alors il faut qu'il y ait Ukarubara, il faut que ça soit au moins 3 mois de grossesse. Et Kirab Yosef, que l'autre s'arrête Kloum, alors ben mettre l'autre s'arrête 3 mois de grossesse. A Falpi chez le Ukarubara, même si elle est de 1 mois, ça marche. Veikadamri, il y en a qui disent pas comme ça. Amar Rabba, lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Bechachat de Bekivsha. Rabba, il vient et dit tout ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit que tu peux. Faire Trouma, même s'il n'est pas encore arrivé à Shlish, c'est quand c'est Shachat, des Bekifcha. C'est quoi Shachat des Bekifcha? C'est du blé qui pousse que grâce à la pluie. Donc, mais mec, t'as rien besoin de te faire, toi. Tu attends, il va pousser tout seul. Rien que la pluie, elle tombe, et donc c'est bidé Shamaïm. Comme le bébé, il va grossir dans le ventre, la pluie, elle va tomber, et mec, toi, tu n'as pas besoin d'arroser. Là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit. Potentiellement, toi tu n'as rien besoin d'ajouter. Aval bechachad et bechakia. Mais si tu as besoin d'arroser l'eau, là il dira que non. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'arroser, Myanmar que tu vas arroser, Myanmar que ça va pousser, c'est déjà moins probable. Rav Yosef Amar afilo bechachad et bechakia. Et Rav Yosef Yosef Yecholek il dit non. Même si c'est un bet hashlachim, ce qu'on appelle bet hashlachim, c'est-à-dire que le Baal il doit arroser. Alors, il faut, ça marchera quand même.
Keman Azla, comme qui elle va la Mishnah avec la femme enceinte. Adetania Omer les Chavero imialda ishtechan et kevam ekudeshet li loa marklum. Si il a dit ta femme quand elle accouchera, on ne sait même pas si elle est enceinte ou pas, loa marklum. Mais Amar Rabbi Chanina lo shanu la shen ishtomé uberet. Tout ce qu'on a dit que ça marche pas, c'est parce que sa femme n'est pas enceinte. Ah ben ishtomé uberet varav kayamin keman keshu ukarubara vidivrakol. Les coulées alma, il faudra que ukarubara. Pourquoi? Parce que ici, toute la marque locale entre Rabbi et Rav Yosef, c'est est-ce que on a besoin de l'eau personnel ou bien on peut se contenter de l'eau de pluie. Mais les coulées alma, il faut que ce soit shachat, il faut que ce soit machal bema. Donc les coulées alma, il faut que la femme elle soit enceinte au moins de 3 mois. Amar Abaye, Rabbi Lezer ben Yaakov, Ve Rabbi Meir, Kulu Simiralu Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Rabbi Lezer ben Yaakov, on vient de le voir avec l'histoire de Trouma. Rabbi Meir, tout le monde, ces trois-là, on va voir, sont tous d'accord que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, tu peux donner à quelqu'un. Même si c'est pas encore Baolam. Rabbi Lezer ben Yaakov et Amram. Rabbi Lezer ben Yaakov, ce qu'on vient de voir avec la paille. Rabbi Detania. Arrive dans la paille, on a dit même si c'est pas encore arrivé à Shlish, tu peux déjà faire la Trouma. Odlo Ibi Ashlish, Odlo Baolam. Donc ça c'est Rabbi Lezer ben Yaakov. Rabbi Adetania. L'otasgir eved al Adonav. Il y a marqué dans la Torah, l'otasgir eved al Adonav, ça veut dire quoi? Que on ne doit pas obliger le eved à travailler chez son Adon. Ah, pchat baiser. Alors ici, les évêques, pourquoi je ne peux pas l'obliger à travailler chez son Adon? C'est bizarre. C'est sauvé, moi je présente. Ah, mais alors. Le tasgir n'enferme pas évêque à l'Adonav. Mimanafchar. Il est évêque ou il n'est pas évêque? S'il n'est pas évêque, tchaïté michacher auto. Alors ça ne s'appelle pas évêque à l'Adonav. Ou gvarlo évêque. Et s'il est évêque, on ne comprend pas. Rabbi Omer, Rabbi dit, tu sais de quoi on parle? Beloké a révède à la menade des chachero. Akatou Medaber. Tu as pris un évêque. Donc tu vas voir un goy, tu dis je t'achète à condition de te libérer. Donc ça veut dire que dès que tu l'as acheté, tu l'as libéré. Donc là, Alzenemar, le Tazkir Eved Adonav. On peut pas, tu peux pas maintenant le prendre comme esclave parce qu'il est Meshoucha. Echidame, Amar Nachman Bar Yitzchak Egon de Katavle Lekshikachecha Are Atzvecha Kanu Ilecha Me'Achshav. Quand je t'achèterai, tu es déjà délivré. Donc ça, Zeba Bevatacha, dès que je t'achète, tu es libre. Donc, Alzenemar, le Tazgir Eved Adonav, je ne peux pas lui demander de travailler étant donné qu'au moment où je l'ai acheté, il est déjà libre. Vebehemet, Dikra Eved. Alzen Dikra, le Tazgir Eved Adonav. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'as acheté, Dikra Eved, il est déjà libre. Rabbi Meir, Omer, Netanya, Omer, Leisha et Rabbi Meir. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi Meir il pense que Adam, Makhne, Davar, Shalom, Baolam, Netanya, Omer, Leisha, Ariad, Mekudeshetli. L'achar chez Gayer, l'achar chez Tit Gayri, l'achar chez Shtacher, l'achar chez Shtacheri, c'est notre Mishnah, l'achar chez Amut Baler, l'achar chez Tamut Achoter. Donc c'est tous des cas qui ne sont pas encore là. L'achar chez Achlout Lechivimer, donc soit après que ton mari meurt, après que ta sœur elle meurt, après que le Yabam y fasse Khalitza, après que je sois converti, et dans mes coups d'échette. Rabbi Meir Omer, mes coups d'échette. C'est d'avoir chez Balaola. C'est d'avoir chez l'Obalaola. Ben, mettre, son mari n'est pas encore mort, mais néanmoins. Mais néanmoins, les Mekoudeshet d'après Rabbi Meir. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, Adam Makni Davar Shelo Balaola. Rabbi Yochanan Asandla Omer Ena Mekoudeshet. Rabbi Yuda Anassi Omer Mekoudeshet. Donc on voit que pas seulement Rabbi Meir il pense ça, même Rabbi Yuda Anassi pense qu'elle est Mekoudeshet. Ou Mata Amamru Ena Mekoudeshet. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan Asandla elle n'est pas Mekoudeshet? Bémet, Rabbi Yuda Anassi il pense qu'elle est oui Mekoudeshet. Alors pourquoi on a dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet? Meshum Eva. Parce que ça va faire du balagan entre le mari et sa femme. Si le mari il dit, attends, dès que je meurs, elle est mariée avec Reuven. Tu sais quoi, j'ai même plus envie de vivre avec toi. Tu as déjà prévu quand je vais mourir. T'as pas honte. Mais choum, Eva, on a dit, Namé Koudéchet. La Gemara dit, Menarchov, Nami, Rabbi Uda, Nassi. Pourquoi dans le trio des Tanaïm qu'on dit que Adam a Kedavar Shel Baolam, on a dit Rabbi Meir, Rabbi Lezer Ben Yaakov et Rabbi. Rabbi Uda, Nassi aussi, il est d'accord. Rabbi Uda, Nassi aussi, il dit qu'il est Mekoudéchet. Mais la Gemara, Aino Rabbi Uda, Nassi. C'est le même. Rabbi Uda, Nassi et Rabbi, c'est la même personne. Rabbi Uda, si on l'appelle Rabbi. Vénarchov d'Arabi Rabbi Akiva. Pourquoi on n'a pas nommé Rabbi Akiva? Rabbi Akiva aussi il pense d'avoir chez le Baal Olam. On peut être makné. Detania. Konam Shani Ose Lepicha. Une femme qui dit, je jure, je fais un éder que tout ce que je fais, tu ne veux pas le manger. Voilà, tu sais quoi, c'est fini. Tu ne vas plus profiter de moi. En tsarik le affaire. Le mari, il n'a même pas besoin de faire Afara Nedarim. Il n'a pas besoin de faire Afara Nedarim. Elle est méchoubédette. Tu es obligé de travailler pour moi. Tu peux pas faire une clause sur un contrat qui est déjà signé. Rabbi Akiva Omer, il y a faire. Rabbi Akiva dit non, on peut faire Afara. Shema Tadi Falav, il faut faire Afara. Parce que peut-être que, Ari, elle te doit, elle doit travailler pour 1000 shekels, peut-être qu'elle va faire 2000 shekels. Et le reste, Ari, Yev Charit Tantem, c'est dur de dire, ah, je m'arrête d'être néné.
Donc à cause de ça, fais Afara, comme ça tu es tranquille sur le surplus. Shema, Yetahadif, Alav, Yetermina, Raoulo. Peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle devait faire. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Akiva, il te dit, fais Afara. Ah mais c'est l'Obala Olam, elle n'a pas encore gagné de l'argent. Fais Afara, on ne sait jamais, peut-être que ça va dépasser. Donc on voit que la dame Makné, d'avoir chez l'Olam, parce que tu peux faire un éder sur ça. Mais ta Gemara, Itmarala, ça n'a rien à voir. Amaravuna, Brede, Rabbi Yoshua, on a vu ça dans les Darim. Beomeredik, Deshu, Yadai, Leosem, Viadaim, Itnou, Baolam. Elle n'a pas dit, je suis Magdish, mes mains, c'est Yadaim. Elle a dit, je suis Magdish, mes mains. C'est mes mains, elles sont Baolam. Donc Rabbi Akiva, il te dit, comme ses mains, elles sont Baolam, fais Afara de peur qu'avec ses mains, elle va faire plus que d'habitude. Mais néanmoins, Rabbi Akiva, il pense que la dame, l'eau m'a clé d'avoir chez le Baolam.